What else? Non, c'est une concurrence, c'est pas eux. Ok, ça c'est mon petit péché mignon de l'après-midi, quand je travaille pas, ou même quand je travaille d'ailleurs. C'est le petit café, et quand je suis chez moi, les petits spéculoos avec. Vous m'en tirez des nouvelles, vous essayez ça chez vous. Aujourd'hui, c'est pas ça le sujet de la vidéo, c'est d'ailleurs une vidéo un petit peu spéciale. Vous voyez la manière dont je la tourne depuis tout à l'heure. C'est pas une vidéo comme d'habitude, c'est une vidéo un petit peu mélange entre un vlog, et en même temps, c'est une réflexion que je me suis faite et que je vais vous raconter ici. Je me suis posé une question. Avec l'évolution des téléphones aujourd'hui, notamment celui qui est en train de me filmer, mon iPhone 12 et ses capteurs photo, eh bien pourquoi aujourd'hui je m'obstine à filmer avec... ça. Avec un gros boîtier, un appareil photo, littéralement. Et pourquoi je ne passe pas à 100% de mes vidéos filmées totalement avec mon iPhone? Et la question, elle est un petit peu particulière parce que, en réalité, c'est pas tellement un manque de place qui va faire je passerai à l'iPhone, ou bien réellement une question de praticité. Moi, je ne regarde pas ces termes-là quand je souhaite tourner une vidéo. Ce que je me pose comme question, c'est quel est l'élément qui va me faire à la fois le meilleur son et la meilleure image entre mon iPhone et le Lumix. Et je vous fais donc cette petite vidéo et je vous embarque avec moi cet après-midi. J'ai quelques petites choses à faire à l'appart, et bien on va répondre à la question en même temps. Je vais en tout cas vous donner mes éléments de réponse. Il y a donc effectivement un principal motif du pourquoi du comment je tourne tout le temps à l'appareil photo, à la caméra, et je n'ai pas encore sauté le pas d'être passé au full téléphone. C'est notamment pour une chose, on parlait de capteurs juste avant, et bien c'est là le détail, c'est qu'un téléphone aura tout le temps des capteurs photo vidéo qui sont plus petits que des capteurs d'appareil photo, qui sont souvent ce qu'on appelle en plein format. Ce qui fait qu'en fait en filmant avec un téléphone, et bien moi ici à chaque fois l'image ne m'a jamais absolument satisfaite. En voyant l'image qu'un téléphone produit en vidéo, surtout puisque je fais énormément de vidéos, j'étais pas satisfait. Il y a également une chose aussi que je peux rajouter toujours à propos de l'image, c'est la stabilisation. Il est très important dans une vidéo qui bouge comme celle-ci, que je filme avec mon iPhone, de stabiliser l'image. Puisque si l'image n'est pas assez bien stabilisée, eh bien c'est très désagréable à regarder. Et souvent sur les smartphones, on n'a que de la stabilisation numérique et pas de stabilisation optique. C'est-à-dire que c'est le logiciel qui va traiter l'image pour éviter qu'elle bouge trop. Et ça n'est pas en fait littéralement des ressorts ou des petits moteurs qui sont sur le capteur et qui vont tenir le capteur et le faire bouger pour compenser les mouvements de l'utilisateur. Alors vous direz que je suis mauvaise langue, effectivement aujourd'hui on arrive à faire des téléphones avec des stabilisations optiques qui se servent notamment des intelligences artificielles intégrées dans les téléphones. Et là aussi c'est un autre bon point que je peux donner au téléphone, c'est les intelligences artificielles. Elles sont là pour corriger tout ce qui se passe à l'image et elles servent notamment à corriger l'image, peu importe la chose qui s'y passe. Corriger les couleurs, corriger la stabilisation notamment. Et ça, un appareil photo ou une caméra ne va peut-être pas forcément l'avoir. Ça va surtout être des processeurs d'imagerie qui viendront corriger la colorimétrie, qui viendront corriger les effets de flou. Mais ça, pour moi, ça ne viendra jamais absolument corriger tout ce qui est stabilisation, même si ça joue quand même une partie. Il y a également une chose en fait qu'on peut faire ici avec un téléphone et pas forcément avec un appareil photo, c'est ça. Alors c'est illégal, mais c'est conduire tout en filmant. Et ça vous le voyez beaucoup dans les vlogs américains, genre du type les vlogs de Monsieur Casinista. Ça on le voit beaucoup où il filme dans sa voiture. Et en fait, bah en France c'est illégal de filmer en fait au volant, de faire autre chose que de conduire. Là je vous rassure, je suis dans un parking. Donc ça craint vraiment pas grand chose. Personne autour. Enfin, les voitures sont garées, quoi, tu vois. Ça, à faire avec un appareil photo, je vous mets le défi de le faire. Avec un appareil photo ou une caméra, d'ailleurs. Je vous
vous mets au défi de le faire parce que vu le poids de la caméra, on parlait de stabilisation tout à l'heure. Vous voyez ici, je suis en train de rouler, j'essaie de pas trop m'accouder à la porte. Avec les mouvements de la caisse, l'image n'est pas forcément très bien stabilisée. C'est aussi ça le principal défaut de filmer comme cela, à la main volée, comme on dira. Plutôt à la volée, c'est plus français. Donc ma réponse finale du pourquoi, du comment je ne filme pas toutes mes vidéos au téléphone et que je continue à filmer tout ça à la caméra, bien parce qu'une caméra, ça sert à faire des vidéos. Un téléphone, ça sert principalement à téléphoner ou à communiquer. Vous avez déjà essayé de faire des vidéos avec une cafetière, vous ? Elles doivent pas être très belles, les images. Hein. C'est un avis perso. Il faut faire les choses avec les ustensiles qui sont prévus pour, mais réellement prévus pour, dont leur utilité principale est l'action que vous allez faire. Un téléphone, son utilité principale, c'est de communiquer. Ça n'est pas, malheureusement, de prendre des vidéos ou des photos. Malgré que les téléphones aujourd'hui sont très bons dans ces domaines. Donc pour moi, une vidéo doit se faire à la caméra ou à l'appareil photo. Et c'est pour ça du coup, je continue à utiliser cet ustensile pour faire toutes mes vidéos. Elle était quand même bizarre hein, cette vidéo ici. J'ai voulu me la tourner un peu à la vlog, mais je pense que pas ouf. Pas incroyable. Voilà. Sortez tout le temps protégé. Dans les endroits où il faut le masque, vous le mettez comme ça. Voilà. Comme ça. Rendez-vous dimanche prochain à 18h pour la vidéo de Noël. N'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche des notifications juste à côté pour n'en rater aucune vidéo. De t'abonner aux réseaux sociaux de la chaîne qui sont juste en dessous dans la description. Et puis lâche un like sur la vidéo. À la semaine prochaine, 18h. Bye.